stay with me under the moonlight. We'll be magical as we of times to search for light. It's easy to turn to the darkness in my mind, but I'll be alright. Try and fly, but I only ever get so high. I will never give up my fight, even if it burns all night. Bon matin! Bon. Ouais, mon amour, attends un petit peu. On est jeudi matin, le... On est quelle date? Le 30 peut-être, le 30 janvier. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Vous êtes plein sur Instagram qui m'ont demandé si j'allais continuer à vlogger. Sûrement parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mis de vidéo. Mais oui, en fait, ça a juste pas donné dans les derniers temps. Mais je suis de retour. Je peux pas dire en force parce qu'on est maintenant jour 6 de fièvre à Axel. On est allé consulter 3 fois dans les 3 derniers jours chez le médecin. Et ça, c'est un VRS. Va ouvrir la porte, allez. Un VRS, VSR. Bref, c'est comme... Il y a un abonné qui m'a dit, c'est comme le cousin de l'influenza. Fait que c'est la même chose, mais ça frappe moins fort et ça frappe moins longtemps. Là, moi, je trouve ça long. On est rendu à la journée 6. Tout le monde m'a dit qu'habituellement, c'est 7 jours. Puis cette nuit, vous voyez, c'est vraiment une nuit terrible. Faites vraiment beaucoup de fièvre. Donc, à la clinique, ils nous ont dit de le surveiller. Il n'y a rien à faire puisque c'est viral. Quand c'est viral, pour moi, je savais pas c'est quoi la différence. Viral, c'est... en fait, c'est qu'il n'y a pas de médicament pour le régler. Ça part tout seul. Quand c'est bactérien, c'est quand tu as un diagnostic genre... oui. Quand que... Ok, maman, ça te dit d'aller ouvrir la porte, Mali était en dedans. Maman est coquine. Quand c'est bactérien, c'est que t'as besoin, mettons, du sirop banane, des antibiotiques. Alors là, c'est ça, on est là-dedans. On est en quarantaine jusqu'à dimanche. C'est la première fois de ma vie que je prends une semaine au complet. De son... la danse, les amis, après. Samedi. Et après, on va voir l'autre. De la reine des mères. Ouais, maman a acheté des belles bouteilles, va montrer. Parce qu'il n'y avait pas de gourdeau pour la danse. Alors c'est ça, on est en quarantaine jusqu'à dimanche. On avait un souper samedi de prévu, on a été obligé d'annuler parce qu'on veut pas que nos enfants qui accèdent contaminent les autres enfants. C'est Zouzou, ok, qui va le montrer. Ensemble. Regardez, prenez l'ensemble. Ensemble, sinon je cache. Ok? Regardez. Ouh. Wow. Une bouteille d'eau thermos pour que ça reste froid au cours de danse. Et que je suis une maman fantastique. Ok. Bon. Donc, je sais pas si je vous ai parlé depuis que j'ai viré mon salon de bord. Là, je vais vous montrer ça. Donc, on a changé... nos chaises, parce que là, on va faire la cuisine vraiment bientôt. Je suis full énervée. Sinon, on a comme
me souviens pas si je vous avais montré, mais on a juste changé, vu qu'on a plus de table là, Zoé, à matin, là. On a juste changé ça comme ça. Donc, comme je disais, on a changé la configuration du salon. Ça nous donne vraiment beaucoup de place. Quand on a reçu pour la fête à Zoé, là, on le voyait, là, les gens... Et Zoé le matin, mais Zoé tout le temps, elle est intense. Puis c'est ça, ça nous fait vraiment beaucoup de place. Pour aujourd'hui, on est jeudi, donc je suis à la maison, mais comme je vous disais, j'étais à la maison toute la semaine. J'avais lundi, mardi, j'ai cancellé la masso, mercredi, une réunion. Fait que je suis vraiment, j'ai rien à mon horaire, j'avais rien à mon horaire. À part mes émissions, puis m'occuper de mon petit loup. Parce qu'en fait, Axel ne mange pas depuis 6 jours. Il prend juste mon sein. Fait que je suis bien contente de ne pas avoir arrêté d'allaiter, comme je disais sur Instagram. Alors là, aujourd'hui, vu que c'est jeudi, les jeudis, c'est toujours journée, jeu. Et là, je voulais vous amener avec moi parce qu'on a plein de nouveaux. Zoé Lou, on en a eu des nouveaux à sa fête. Fait qu'on va tester ça. Là, les filles, hier, on leur a acheté. Oui. Les grosses. Elia est vraiment partie sur le dessin. Elle est vraiment bonne. Elle dépasse même pas. Donc, on fait le dessin et après ça, on va aller choisir un autre jeu de société. Even if it burns all night, I can feel jouer à Batawaf. J'ai aucune idée il vient de où, mais sûrement dans un magasin de jouets. Oui. Dans un magasin de jouets. C'est comme un jeu de bataille, mais gardé ici, plus petit, contre plus grand. Lui qui est le plus grand, il rapporte les cartes. Donc, on essaye ça. Get so high, try to fly. Oh, c'est qui le plus grand? Qui est le plus grand? C'est moi! Non, c'est moi! C'est toi qui gagne! Léa a décidé de le transformer en jeu de mémoire. Mais elle est toute là! C'est pas fou, ma fille, c'est pas fou! Je voulais vous montrer parce que là, j'ai mis ça sur Instagram. Puis là, tout le monde me pose des questions. Hier, j'ai fait un petit bricolage. Je vais tout vous montrer ça. À Brimeur, comment j'ai fait. J'allais me têter des 4 cups comme ça, là, au Starbucks, et 3 comme ça, tu sais, les... comme ça, là. Oui, genre. Et dans le fond, là, j'ai rempli ça vide de 2 sortes de peinture, de la blanche et de la bleue, de la blanche et de la rose, et de la blanche et de la comme caramel. Puis j'ai mis le vert, là. Tu sais, genre, attendez, j'en ai un ici. Comme ça. Voilà, les filles ont mis. J'ai mis dedans, là. Là, c'est pas j'ai une main parce qu'Axel est dans moi, mais j'ai mis plein de peinture à l'envers, puis là, je l'ai tourné comme ça. Fait que ça a donné ce résultat-là. Puis pour le dessus, j'ai vraiment juste roulé avec la plastine et je l'ai peinturé la couleur que j'ai utilisée en bas comme ça. Fait qu'en dessous, je pense que c'est de la peinture blanche, là. Et j'ai piqué une paille comme ça, puis là, j'ai rajouté des petits. De la peinture. Et pour faire tenir les la genre de fausse crème fouettée, j'ai vraiment juste mis un sac IGA, genre en moton. Là. J'ai comme pris un sac, puis j'ai mis dans le fond pour attendre. Je vais vous montrer. Regardez. Je sais pas si on le voit, là, mais comme ça, là, c'est un sac IGA. Puis ça, c'est un dessus de plastine, là, que ça tienne de même. Il y a 1 million de façons de faire ça, c'est sûr. Là, c'est juste que moi, je voulais le faire pour hier. Fait que j'ai utilisé ce que j'avais à la maison. Alors voilà, puis ça, je l'ai pris chez Walmart hier. Je vais sûrement probablement peinturer ça blanc parce que je trouve que ça fait trop de teintes de bois. Fait que là, moi, je vais aller faire à dîner. Moi, j'ai pris ici. Un petit dîner, on n'a plus rien dans le frigidaire, juste des, j'ai fait des cocos avec la salsa douce, du petit parmesan frais, puis des cocombes, puis les enfants, ben, sont bien excités par ça, fait qu'il y a un petit maman, truc, plus c'est simple, plus les enfants aiment ça. Maman.
seulement que je vous montre notre machine à tapis. Ben, à tapis, à divan. À tissu. À tissu, là. En fait, nous, j'allais emprunter un ami, puis j'ai fait tous les tissus de la maison. Fait qu'on se sent bien, bien clean après ça. On l'a pris chez Canadienne Pout-Pout. Puis il était en spécial à 149. Non, il est là 129. Ah, 129. Voilà. Il est déjà rendu 5 heures. On a pris ça vraiment relax cet après-midi. Et Axel, il a fait sa sieste sur moi. Et c'est ça. Donc, c'était vraiment très, très relax. Donc là, je suis en train de faire à souper. On essaye, là, on est comme dans une passe qu'on essaye toutes les sortes de pâtes pop-out. Fait que ça, c'est des spaghettis riz quinoa. Ma sauce vegan est en train de dégeler. Puis, on a dit qu'on allait se faire des petits pains à l'ail avec un petit verre de vin. Belle journée, il fait trop beau aujourd'hui. Bon, quand il fait beau, c'est sûr que je suis de mauvaise humeur. Il faudrait qu'il y ait comme un tsunami là, pour défaire ma bonne humeur. Donc, ça va bien. Puis pas juste ça, ma maison est propre. Je suis vraiment contente. Là, j'utilise la façon des belles combines pour faire le ménage. Elle, dans le fond, a dit qu'une pièce par jour, je sais pas si je vous l'ai dit, là, une pièce par jour de fond en comble, ça l'évite comme ton gros ménage du vendredi plate. Mais ça, moi, le vendredi, juste le goût de sortir, aller au resto, faire des activités, puis là, être pogné en dedans, faire tout ton ménage parce que oh, tu reçois peut-être en fin de semaine, ça m'énervait. Fait que là, la maison est propre, je suis contente. À matin, sérieux, je me tourne les pouces. donc, c'est ça. Là, aujourd'hui, je voulais prendre le temps de vous montrer. On dirait que je suis comme la Ramdam, là. Je parle à la caméra de même. Je voulais prendre le temps de vous montrer notre DIY. Le petit thème à crèmerie qu'on a dans la salle de jeu, parce que sur Instagram, vous êtes vraiment beaucoup à me l'avoir demandé. Fait que là, j'ai dit, je vais l'expliquer une fois, puis ça va se retrouver dans ce vlog-là. Et aussi, vous parler du sommeil des filles, de comment, quand j'y couche ensemble et tout. Donc là, je viens de faire mon jeu du colis en retard, parce que hier, Axel était un vrai scotch tape vu qu'il était malade. Là, il va un peu mieux. Axel? Allô, bébé loup! Regardez, il y a des yeux un peu moins malades. Ça va un peu mieux, je dirais qu'il fait moins température, mais il y a encore son fond de virus. On est en quarantaine jour 6 ou jour 6, je sais plus, jour 6 je pense. Donc là, je vais ranger mes petits trucs de jeudi colis que j'ai fait tantôt, mais à part ça, la maison est propre. Fait que je ramasse ça, puis je vous amène avec moi dans la salle de jeu pour vous montrer la crèmerie! Je voulais vous montrer aussi, mercredi, ça c'est mon planificateur des belles combines, justement. Mercredi, on a instauré une nouvelle tâche pour les filles. C'est, dans le fond, ici, moi, j'ai mis les tâches qui sont déjà instaurées, là, ramasser leur assiette, mettre la table. Mais ici, depuis mercredi, ils font leur lit. Donc là, ils ont fait leur lit mercredi, jeudi et vendredi. On est vendredi. Ils l'ont fait toute seule. Fait que je suis bien fière de mes cocottes. Ils vont avoir le droit à leur cake pop. Je leur ai dit que s'ils faisaient leur tâche toute la semaine, qu'ils étaient fines à la garderie, qu'ils étaient fines avec moi, que le dodo se passait bien, on irait les chercher vendredi avec un cake pop. Fait qu'ils étaient bien contents. Fait que là, je vous amène avec moi dans la salle de jeu! Alors, je ne sais pas si vous reconnaissez la cuisinette du IKEA, mais... peut-être l'autre côté, si je vais l'autre côté. Tadam! C'est la cuisinette du IKEA qu'on a fait quelques transformations. En fait, on a enlevé ici le lavabo, là, le robinet.
ben tout le lavabo en fait. Puis ici, c'était un petit stand à crème glacée qu'on a acheté. Oups! Qu'on a acheté. Où qu'on l'a pris celle-là? J'ai un blanc qu'on l'a acheté. Mais tu sais, dans un. Ah, oh, on l'a pris au. Sur verre imaginaire. Ouais. Ça, comme ça. Donc, ça rentrait parfaitement. Ou presque. Là, vous voyez, il y a comme une mini ligne. Fait que c'est vraiment chouette. Et ici. Ah oh non, il est là le robinet. C'était quoi qui était là de bord? Ah, oh, c'était le four. Le four. Donc, ici, robinet, on a juste inséré comme ça. Oups. Regardez, ici, il est comme, il s'enlève. Là, on ne l'a pas vissé, mais on pourrait le visser, là. Mais les filles, on, pour eux, ils pensent qu'il est vissé. Donc, ça ici, et ça, je l'ai pris chez Walmart. Fait qu'on l'a juste vissé en haut. Ça, je vais probablement le peinturer blanc parce que je trouve que ça fait trop de teintes de bois. Ici, il manque le menu que mon amie Andréane est en train de me faire. Ça va être vraiment chouette. Et ça ici, là, le top, là, ça allait avec ça ici. Fait qu'on a vraiment démonté un jeu de bois, puis on l'a séparé en deux. Puis là, vous voyez, j'ai juste mis un petit truc, un petit gâteau ici. Puis ça, je vous ai montré ça hier. Regardez comment c'est cute. Fait que là, allez dévaliser les Starbucks avant que toutes mes abonnés le fassent, gang. Alors voilà. Ici, ben, le petit marché. Puis là, c'est. On a surtout eu l'idée de faire ça parce qu'on avait deux cuisinettes. Parce qu'on avait eu elle de Coco Village. Fait qu'on a tout mis ça ici. Puis là, j'aimerais vraiment ça. J'ai mon idée. Mettre, tu sais, là, une maisonnette. Tu sais, lit maisonnette, là, c'est full à mode, là, depuis un an, là. Mais que ça soit comme. C'est, en tout cas, bref, vous allez voir, c'est juste essoufflé. Maman est essoufflée. Alors, vous voyez, même la salle de jeu est propre. Je capote. Je capote. Je vous ramène ici pour vous parler de. Des doudous des filles, la chambre, le fait qu'ils soient ensemble. Écoutez, on a fait plein de tests, là, sans finir. Ils étaient ensemble, ils n'étaient plus ensemble. On les séparait pour les doudous, on les séparait pour les siestes. Et finalement, là, tu sais, ils vieillissent, ils sont conscients de plus de choses, ils veulent être ensemble. Donc, nous, on fait pour l'instant. Là, ça se peut que dans un mois, je vous revienne et que ça ne soit plus la même technique, mais là, ça fait un petit bout que c'est ça. Pour les siestes, on les sépare parce qu'on se rend compte que si on les laissait ensemble trop longtemps, ils niaisaient pendant 3 heures, on perdait toute notre journée, c'était désagréable. Puis moi, j'étais entêtée à ce qu'ils dorment vraiment parce que mes enfants sont. C'est pas tous les enfants là, qui sont de même. Là, je parle pour mes enfants, ils ont vraiment besoin de faire leur sieste encore. Même Eléa, 4 ans, elle en a besoin. Là, elle dort des 2-3 heures. Là, fait qu'elle me dise pas qu'elle n'a pas besoin. Puis après, elle est vraiment en forme, tandis que quand ils en font pas, sérieux, sont genre à 4h30, 5h, on a le goût des enfermés dans la garde-robe. Appelez pas la DPJ, là. Donc, pour les siestes, on les sépare. Chacun leur tour, ils vont, ils sont à la garderie le lundi, mercredi, vendredi, quand je les envoie. Donc, le mardi, c'est une, le jeudi, c'est l'autre qui va dans ma chambre. Le samedi, c'est l'autre. En tout cas, vous comprenez le principe. Chacun leur tour et ça se passe super bien pour les siestes maintenant. Et pour le soir, excusez, c'est les jeux Axel qui sont là, ils chillent dans son petit coin ici. Sur son tapis boulou, je vous le dis, là. C'est un produit dispendieux, mais qui vaut vraiment la peine. Là. Nous, on l'utilise depuis qu'on l'a reçu vraiment tout le temps. Tu sais, même si on veut aller s'asseoir avec, là, on s'assoit dessus, puis c'est pas mal plus confortable que direct sur le plancher, là, bébé. Donc, et pour le soir, on a décidé de les coucher. Plus tôt. Donc, à partir, là, je vous dirais, de 6h15, on commence la routine du soir. Là. On brosse les dents. Quand c'est. Des fois, c'est parce que des fois, on donne le bain dans le jour parce que pour nous, c'est quasiment une activité. Là. Les filles, ils capotent prendre leur bain, même avec Axel, là, depuis que les trois, ils prennent ensemble. Fait que souvent, le soir, le bain est déjà pris. Fait qu'on a juste à brosser les dents, se mettre en pyjama s'ils ne sont pas déjà en pyjama parce que Dieu sait qu'on passe nos journées en pyjama quand ils sont à la maison. Puis. Je leur lis une histoire, mais tu sais, il est peut-être 6h30, là, mais on les laisse parler, puis on dit rien jusqu'à comme 7h15. Puis comme hier, on n'a absolument rien dit. On n'est même pas monté les avertir. C'est sûr que là, ils sont dans l'âge de j'ai envie, je veux un câlin, je veux un bisou, mais on les laisse faire de 6h30 à 7h15, on dit rien. Puis avant, on n'arrêtait pas de crier, on s'acharnait, on était comme non, là, ça c'est fini. Mais là, de 6h30 à 7h15, ils relaxent, ils font ça à leur rythme. Puis là, après 7h15, s'ils parlent encore ou ils rient ou, tu sais, des fois, ça finit en pleurs, là, je vous cacherai pas. Si ça finit en pleurs, qu'on va les avertir, puis que ça recommence, là, on les sépare. Mais je vous dirais que dernièrement, on les a séparés une fois dans les dernières semaines. Sinon, ça se passe vraiment bien. Comme je vous dis hier, on n'a même pas intervenu.
Puis, veux pas, j'avoue, ça c'était le dé à mon chum de les mettre ensemble parce qu'il dit que c'est à cause de ça que lui et son frère sont de même. C'est le fait d'être dans la même chambre, les filles parlent pendant des heures, ils rient, puis veux pas. C'est cute à entendre, tu sais. Fait que je suis bien contente de notre choix de les mettre ensemble. Puis ça se passe de mieux en mieux, je vous dirais. Tu sais, un enfant, là, c'est l'habitude. Hein? S'ils sont habitués de dormir ensemble, ben, ça va venir juste normal de OK, là, on se calme, on dort et tout le tralala. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, nos petits dodos ensemble, les filles ensemble. Nous, nos lits viennent de chez IKEA. On a décidé de les coller. Au début, je voulais faire des lits superposés, mais les filles aiment bien ça, avoir l'impression de dormir dans un gros lit, les deux ensemble. Quand on arrive à l'hôtel, ben c'est pas nouveau pour eux. Il y en a plein qui me disent « Comment tu pour aller à l'hôtel avec tes enfants? Moi, c'est l'enfer! » Vous êtes vraiment beaucoup à me dire ça. Mais on dirait que, premièrement, elles sont habituées. On va souvent, on fait souvent des sorties d'hôtel. Donc, ils sont habitués comme à ce big de changer un peu de routine, mais ils dorment dans un grand lit comme ils dorment. Tu sais, les filles, ils dorment ensemble, on les sépare pas à l'hôtel, ils dorment juste dans un lit king ou un lit queen ensemble, ils sont bien habitués. Et pour la sieste, même chose, on les couche séparés à l'hôtel. Et c'est ça. Pour plus tard, en fait, la salle de jeu en bas que je viens de vous montrer, il va devenir la bouffe à lit. La bouffe à lit. Va devenir la chambre à Elia. Donc, quand ils vont être rendus à l'âge, qu'ils vont vouloir avoir chacun leur intimité, tu sais, genre vers 12 ans, j'imagine qu'ils n'auront plus vraiment besoin de la salle de jeu. Et comme on a quand même toutes des grandes chambres, ben ils vont pouvoir mettre leurs choses à eux personnelles dans leur chambre. Donc, c'est comme ça qu'on voit ça. Ça se peut que ça change, ça se peut qu'on déménage. On n'est pas supposé déménager. D'ailleurs, aujourd'hui, on est supposé aller faire un tour chez Cuisine Action pour refaire notre cuisine. Tu sais, on est bien chez nous, puis on fait des petits rénos ici et là. C'était un projet de vie un peu notre maison. Fait qu'on risque de rester ici, et puis c'est pour ça qu'on a acheté on a acheté une maison qui avait assez de pièces pour tout le monde. Alors, sur ce, moi, je vais me faire un café, essayer de l'endormir un peu. Les plans de l'après-midi, Max, il va, quand il va arriver, on va aller manger au bar à tartare proche de la maison. Et cet après-midi, on va aller chez Cuisine Action, puis pour la suite, je ne sais pas. Je vous amène avec moi. Avez-vous passé une belle journée à la garderie, les poules? Oui. Oui? Et Léa, c'était tes cours de patin? Étais-tu bonne? Ouais, ils ont le droit à leur cake pop. Puis là, on va se faire un bon souper ce soir. C'est notre nouveau souper! C'est quoi, on va souper? Zoom. Vas-y, zoom. Alors, bien bonjour tout le monde! Donc, on m'a demandé de faire un à huile d'épicerie. Donc, on va faire un petit souper tranquille. Fromage, pâté, olives, tout ça. Donc, on va vous montrer ce qu'on a trouvé. Ce que j'ai trouvé, moi qui est sorti. Donc, commençons par des mirettes de pain. Nous avons la miche de pain mini baguette traditionnelle, conventionnelle, pain blanc. Hein? Ensuite, nous avons la miche de pain aux pistaches. Moins conventionnel parce qu'elle est au pistache. Et le pain aux dattes, moins conventionnel, vous comprendrez, parce qu'il est aux dattes. Ensuite, nous avons acheté la burrata. Connaissez-vous les burrata? La burrata. C'est le fromage mou, là. Il coule dans le milieu. Bon, avec notre nouveau plat de basilic, on le présente. Il n'y avait pas de plus petits trucs de basilic. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas se partir un jardin de petites herbes? On commençait avec le basilic. Ensuite, nous mettons aussi tomates cerises. Coupées en deux, bien évidemment. Là, vinaigre balsamique. Mais regarde, on ne l'a pas acheté parce qu'on l'avait. Je vais vous le montrer pour la forme. Voilà. Avec, je sais pas si c'est la sœur de Mona Lisa qui est dessus. Mais c'est elle. Et voilà ça. Bon, là, c'est sorti. C'est effectivement. Ensuite, en ce qui a trait aux viandes. Ça vient du Québec. Vient de Montréal. Charcuterie Pork Shop. C'est le Lawrence. C'est en envers, le Lawrence. Qui
s'avère à être un saucisson aux épices à steak de Montréal. C'est Montréal, mais c'est en anglais. Ouais, ça doit être le nom d'un gars qui travaille là, le Lawrence, mais c'est en français. Là. Atelier de nouvelle charcuterie, made in Montréal. Ensuite, ça c'est le préféré à la VIP. Le saucisson enrobé de parmesan, qui est une rosette de Lyon, du fromage alentour. Très bon. Et pour compléter, du calabrese, du salami piquant. Piquant, c'est toujours bon dans une assiette comme ça. Donc, de retour, après avoir jasé avec Vic parce qu'elle ne me laisse pas finir. Donc, passons au fromage. D'accord? On va commencer par celui-là parce que c'est son préféré. La sauvagine. Voilà, pâte semi-ferme. Là, il zoome pas, là, mais... Zoom. Ah, voilà! La sauvagine. Bon fromage. Ensuite, un classique, tout le monde adore. Albourcin. Zoom là, tu vois, voilà. Le boursin. Par la suite, un des meilleurs fromages jamais fait sur Terre. Le Gouda fumé. Excellent. Et... lui, il avait l'air bon à cause de son nom. Un cheddar vieilli, Old Amsterdam. Je vous épargne les détails de pourquoi. Ensuite, on va agrémenter ça. Des olives partées. Voilà. Les olives, un medley d'olives. Là, regarde, vous savez c'est quoi, là? Il y a des framboises, des fraises, tout ça, des mûres, là. On va mettre ça sur le plateau. Et mon aventure, Vic me disait, le melon d'eau, elle nous en fait très près. Fait que j'ai acheté un melon d'eau. Ça, c'est pas mon dessin de base. Voilà, un melon d'eau. C'est le craving de la soirée, tu sais, je vous le dis. Trempé dans le lait. Ça va être bon. Il y a une, deux rangées. Ça dure 15 minutes, il n'y en a plus. Bon, aussi, il y avait du lait, il y avait du lait de soya, il y avait des céréales, il y a des clémentines, mais ça, c'est pas grave. Tout le monde connaît ça. On s'en fout. C'est à peu près ça. Tu as d'autres choses? Non? On est passé du vin? Non, il y en avait dans le cellier. C'est un Castillero del Diablo. Je pense que c'est Andréane qui l'a amené. Merci, Andréane. C'est un Cabernet Sauvignon du Chili. Merci, Andréane, si c'est toi. Cette semaine, j'ai bu la bière à Eric. Là, je bois le vin, Andréane. On va les inviter. Fait qu'on invite du monde, pour finir reste. Puis là, ça tombe que c'est le même ménage. Ton verre de vin est là, le vin. Donc voilà. On va vous montrer ça un coup fini, à quoi ça ressemble. Puis on se voit dans plus tard. Il est rendu haut. On a marqué l'électricité aujourd'hui, 2h47. D'après moi, il est 7h. Max est allé coucher les enfants, ben les filles. Puis nous, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire. Là. Ah, Max a hâte de manger les biscuits qu'il vous a montré tantôt. Oh, toi aussi, hein? Ça va être allaitement dodo! Ça s'est super bien passé ce soir. Ça aurait pu être vraiment le chaos vu qu'on a fait un souper d'adultes avec les enfants. Finalement, ça a vraiment bien été. Les enfants ont goûté pas mal à tout. Même Axel, j'ai fait goûter des sortes de fromages. Puis il était bien content. Pour ceux qui ont manqué des vlogs ou des stories, Axel n'est plus intolérant aux protéines bovines. Fait qu'on en profite, on se gâte, hein? On se gâte-tu? Oh! Toi, t'as des sœurs.
Ça va juste pas. En tout cas, c'est la truc de Cendrillon. Alors, nous, on voulait vous dire un gros merci d'avoir écouté ce vlog. Max, il a pogné ma maladie de ménage de Madame Blancheville. Je vous le dis toute la semaine, là, j'ai torché. Ah bah. Est-ce qu'on dit bye-bye? Merci. Bye-bye. C'est bye-bye? Bye-bye. Bye-bye, merci.